beau château. Nous voulons entrer dans le sens. Nous entrons dans le sens du sens. Tu peux entrer ce soir avec ton cœur.
encore. J'entre dans le sein. Je veux prononcer le nom de Jésus. Je veux prononcer le nom de Jésus. Ce nom qui sauve. Ce nom qui renverse à toute situation. Ce nom qui calme les tempêtes. Ce nom qui met fin à toute situation. Oh, c'est écrit dans la Bible. Devant le nom de Jésus, tout genou fléchit. Alors au cours de ce temps d'adoration, je veux déclarer le nom de Jésus. Je veux prier le nom de Jésus. Je ne veux pas que prononcer le nom de Jésus, mais je veux dire le nom de Jésus comme une prière. Oh, afin que toute situation de ma maison fasse silence. Que tout genou fléchisse. Que tout ce qui m'empêche de monter fléchisse genou. Fléchisse genou devant le nom de Jésus. Chagalade Boshata. Oh. Est-ce que tu peux appeler ta situation en ce moment? Et dis-lui, devant le nom de Jésus, tu fléchis. Devant le nom de Jésus, tu fléchis. Stérilité, tu fléchis. Chômage, tu fléchis. Limitation, tu fléchis. Oh, envoûtement, tu fléchis. Quel nom encore peut fléchir devant le nom de Jésus? Tout ce qui a un nom fléchit devant le nom de Jésus. Toute situation fléchit devant le nom de Jésus. Ah, yeah, yeah. Parce que son nom est très saint. Même la mort fléchit devant le nom de Jésus. Sobagade Moshe. Oh, Seigneur, transforme-nous ce soir par la puissance de ton nom. Transforme-nous, Jésus, oui,
Transforme-nous, Jésus. Parce que là où ton nom est invoqué, rien ne reste pareil. Lorsque ton nom est invoqué, toute situation change. Jésus, transforme-nous. Transforme-nous, Jésus. Transforme-nous.